Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du championnat 2006 de Formule 1. On est en Australie et on va lancer du coup les qualifications. D'ailleurs, c'est assez drôle que ça tombe sur l'Australie. Puis qui va parler? Nous sommes à l'Albert Park de Melbourne pour de nouvelles qualifications passionnantes. La première séance va commencer. Elle va nous permettre de connaître les 6 derniers de la grille. Voilà Scott Speed qui quitte. Alors du coup, oui, je disais c'est un peu drôle puisque on fait le Grand Prix d'Australie. Bah vous allez voir la vidéo sortir normalement lundi ou mardi, et du coup, bah ça fait suite au Grand Prix d'Australie qui a eu lieu ce week-end. Donc c'est parti, on va faire niveau réglage la voiture. Je vais laisser par défaut. Je vais faire quitter garage. J'espère qu'il fait beau. Ouais, c'est bon. Ce qui pleuvait en essai libre 1, du coup, ça m'a un petit peu empêché de m'entraîner, mais bon. Faire un peu sur le sec en fin de run. Donc c'est parti. C'est parti pour ce circuit de Melbourne avec l'ancienne chicane, évidemment, maintenant qu'il y a la chicane qui a été un petit peu retirée. Là on revient un petit peu en arrière. Et ce circuit, il y a un nombre d'erreurs énormes à faire. Notamment ce vibreur ici. Et notre objectif, bah évidemment toujours hein, Q2, mais ça va être ultra compliqué. En tout cas, on essaie, on était loin de faire un temps de Q2. Hein. Voilà, la chicane qui n'existe plus maintenant. Victoire d'Alonso d'ailleurs à l'époque devant Raikkonen, si je ne dis pas de bêtises. Avec l'accident de Massa au départ, on fait pas mal de choses intéressantes lors de ce Grand Prix. L'abandon de. Il me semble de Schumacher aussi, l'abandon de. De Montoya, qui d'ailleurs a fait une bêtise dans le tour de le. De mise en grille, de partir en tête à queue. Allez, c'est parti pour nous. On va essayer déjà de faire un temps correct dans sa première tentative. En tout cas, de valider un temps correct parce que voilà. Alors j'ai beaucoup de problèmes de grippe, hein, beaucoup de problèmes de sous-virage. J'ai mal à inscrire la voiture. Voilà, typiquement ce qui je ne veux pas voir, mais qui est quand même arrivé. Et on va laisser passer. Oh, purée. Alors le problème c'est ça, c'est que j'ai beau le laisser passer, il va quand même m'ennuyer. J'ai mis des ailerons pour aller bien dans les virages. Ah, mais il y a un problème de. En plus, au pire endroit. Allez, vas-y, passe, passe vite maintenant. Mais non, mais vas-y, passe. Aïe. Bon, déjà, on a raté notre première tentative. Les vibreurs, on va essayer d'éviter d'aller dessus. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture. Allez, c'est parti. À la hauteur pour l'instant. De la température. David Coulthard achève son tour complet. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. On peut aller un peu à l'extérieur, le jeu nous en empêche pas. Putain. Allez, on va revenir au garage. C'est pas grave, on va recommencer. Quitter le garage. Il nous reste 2 minutes, donc je vais avoir à peine le temps de faire un tour. Peut-être même pas d'ailleurs, hein, parce que je crois que le jeu.
Je sais même plus si le jeu nous laisse finir notre tour, je crois pas. Et du coup c'est mort pour la qualification là. Je vais même pas réussir à faire un tour chrono correct. Je n'ai aucun grip à l'avant. Bon là les pneus sont froids. Mais quand même. Hein. J'aurais même pas l'occasion de faire un tour. C'est bien dommage. Ça va jouer à 10 secondes, mais j'aurai pas le temps. J'ai mon coéquipier devant. Et j'ai raté mon entrée dans la ligne droite, tout va bien. Oh bah là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rentrer dedans à pleine balle. Bon bah c'est fichu. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai même pas réussi à faire un chrono. Je me suis entraîné pendant je sais pas combien de temps pour rien. C'est pas grave. Allez, on va faire réglage de la voiture. J'ai fait un tour en 1.41, mon dieu. Pneus et grippe, on va laisser comme ça. Mais ce que je voulais faire surtout, c'était les roues avant. On va les baisser. De toute façon, ça sert à rien. J'ai aucune test de points dans tous les cas. Carrossage à l'avant, on va monter un petit peu pour tourner un peu mieux. Voilà, et donc quitter la séance, ça aurait été court. Hein. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places. Alors mon meilleur tour en essai, il était de 1.20. Je crois qu'il était de 1.29.8, quelque chose comme ça, donc je n'aurais même pas réussi de façon à passer en Q2. La deuxième séance va commencer. Les chronos. Alors on va quitter la séance. Nous allons Coulthard, Eichfeld, Rochemont, Barrichello, Klein, Villeneuve ne sont pas qualifiés. On va avant quitter la séance pour la dernière. Et du coup, c'est Massa. Décidément, on va s'aller en forme hein, sur cette saison. Fisichella, Raikkonen, Trulli, Michael Schumacher, Raikkonen, Button, Montoya, Weber, Rosberg. Nouveau Grand Prix plein d'action. Espérons que ça s'unisse pas en l'espace de 4 secondes. Alors, course. Nous voici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. C'est en 1996 que ce lieu magnifique a accueilli pour la première fois le Grand Prix d'Australie. Albert Park est un emplacement idéal pour un Grand Prix, coincé entre la ville et l'océan, mais aussi en raison de l'enthousiasme de ses organisateurs et à l'engouement du public qui vient chaque année plus nombreux. On m'a dit qu'il y a encore plus de monde cette année. Ok, donc c'est parti. À côté de lui, sur la première ligne, on retrouve Giancarlo Fisichella. Derrière eux, à la troisième place, Fernando Alonso. Jarno Trulli s'aligne à la quatrième place. En cinquième position. Allez, c'est parti. Plus que quelques secondes avant le début de la course, on sent vraiment la pression monter. La course a commencé. Ah, j'ai failli faire un bon départ. Malheureusement, j'ai relâché au dernier moment. Attends qu'il soit vert pour avoir un max de grip. Ils abordent le premier virage. On a failli se bloquer les roues avec la Toro Rosso. Oula, une voiture qui est dehors, attention! Ok, on va essayer de pas doubler. Bon, en même temps, faut déjà que j'y arrive. Alors, la pression qu'elle me met déjà là.
J'ai toujours coupé l'aspiration, c'est la chose qui peut marcher. Et je me suis fait toucher par la Pato Rosso hein, qui m'a emmené un peu. Au devant ça se bataille ferme là. Allez aspiration, ça me permettra de m'éloigner un petit peu de la Toro Rosso. Regardez même l'aspiration. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Massa occupe la première place. En deuxième position, Fisichella. En troisième, Alonso. En quatrième position, Rulli. Kimi Räikkönen, cinquième. Jenson Button est sixième. Il était septième. Schumacher est septième. Il est tombé de la cinquième place. Et huitième, Coulthard. Tu te débrouilles bien, c'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première portion. Bon, pour l'instant, ça va. Bah ben là oui c'est mort. T'es en 20ème position, 20ème. Et malheureusement je suis parti à la faute. Bon, c'est pas grave, on est 20ème. Ça aura pas duré longtemps. J'ai perdu énormément de temps en plus. Bon, est-ce qu'on peut rattraper les pieds de devant? ID est 16ème. Donc s'il fait bouchon, peut-être avec un peu de chance, j'ai tapé. Ben voilà, ben, je fais n'importe quoi. J'ai pris le mauvais côté. Ouais c'est pas grave, on se débine pas, on va quand même tenter jusqu'au bout, j'ai 14 secondes de retard sur celui-ci. Physique il affonce autant qu'il sait. Son temps précédent était de 1.26.25. Il a commencé à se détacher d'Alonso. Il tourne actuellement en 1.26 il tourne. Hein. L'écart est maintenant de 1 seconde 3. Près d'une seconde de mieux dans la deuxième portion. Faut vraiment que je skip tous les vibreurs, ça par contre c'est... Ouais j'ai trop de retard hein, malheureusement. Et ben c'est terminé. Voilà, fin de la partie. Ça aura duré 15 minutes. Il quitte la course, c'est une grosse déception pour lui. Bon bah décidément c'est dur hein. Franchement, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment tourné avant hein, je précise quand même, j'ai fait une séance entière quasiment en full tournant tout le temps. Et quand on fait la moindre erreur, c'est terminé quoi. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas grave.
Fin de la course, Fisichella qui remporte la course, Massa, Alonso, Trulli, Button, Raikkonen, Barrichello, Schumacher qui est juste, qui marque juste un petit point. Du coup, ouais, bonne performance de Trulli. Vin, Weber, Yuzi, Heidfeld, Lidé, Montero et Sato. Un tour. Avant de partir pour les États-Unis. Au championnat pilote, donc Massa 28 points, Alonso 22, Fisichella à 19, Montoya à 11, Raikkonen 11, Schumacher a que 8 points. Et ils sont 10 à avoir marqué des points d'ailleurs. Et championnat constructeur, c'est Renault qui prend la tête devant Ferrari pour 5 points. McLaren 16, 22, Toyota 4e, 9 points, pardon. Ok. Bon bah écoutez, on se retrouve normalement pour Imola, si je dis pas de bêtises. Pour la prochaine course, ou semi-course, ou tiers-course, si on arrive à la finir. Ce qui pour le moment n'est pas le cas depuis quelques temps. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour le Grand Prix d'Imola. Ciao tout le monde.